Prologue. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Soudainement s'évanouissait tout repère humain, béquille insignifiante accompagnant nos mouvements quotidiens. J'étais moi-même assurément, cependant j'étais réification, concrétisation d'une individualité qui n'avait rien vécu, rien vu. Néanmoins, sans pouvoir me remémorer mon passé, j'avais le sentiment d'avoir jadis vécu, vu mille événements. De la réalité, je ne retenais qu'informations vagues. Simultanément, je ne savais rien, je savais tout. Je savais ce qu'était le printemps, l'hiver, un arbre, un oiseau, mais j'en avais une idée réduite à leur essence. J'étais incarnée dans un corps sans nul doute. Ma synesthésie diffuse atteignait une intensité rare. Jamais dans ma vie normale, à ce point, je ne l'aurais soupçonné. Je demeurais dans une euphorie que n'entachait nul sentiment chagrin. De quel sexe étais-je? Quel était mon nom? Je ne parvenais plus même à définir les notions d'homme ou femme. Les mots appesantissant notre âme au long du jour se dissipaient. Honte, angoisse, inquiétude avaient disparu. Si loin se trouvaient les conceptions de mon état mental précédent, résorbées mystérieusement, que j'en avais perdu le souvenir. Le destin, pareil au fleuve agité qui s'écoule, entraînant son flot de soucis, de passions, m'avait échoué sur un inconnu rivage. Lors, je me sentais miraculeusement délivré. Le changement qui s'opérait en moi, pareillement s'était produit sur l'environnement. De ce nouvel univers me parvenait une impression de paix, d'harmonie, d'équilibre. Nul désagrément, nul tourment, semblait-il, ne pouvait me blesser, ni ternir le sentiment que me procurait l'existence. De surcroît, je n'imaginais pas que ce merveilleux état pût un jour cesser. L'attente inassouvie des plaisirs futurs souvent provoque un plus vif bonheur que ceux prodigués par l'instantanéité. Le pire inconvénient d'un malheur actuel parfois se trouve annihilé par l'espoir d'un changement favorable. Son heureux avènement au contraire en amoindrit les bienfaits. Cet univers que mes yeux n'avaient jamais vu, je le pressentais inconsciemment. Je savais que les objets réels s'étaient fondus, pulvérisés, pour se reconstituer en un monde émanant beauté, volupté. Les revêtements embus comme anciens tableaux s'aviveraient en coruscation. La matière était subtilisée, reflétant la pensée. Les éléments livreraient à mes sens le secret de leur âme. Silencieusement, ils se révéleraient dans leur vie latente. Je pressentais que je rencontrerais un être unique, idéal, parfait, surpassant la nature en ses plus élevées magnificences. Que serait-il? Je ne pouvais encore l'imaginer, mais je savais qu'il apparaîtrait. J'étais prêt. Je m'éveillais.